Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, nous revoici pour l'épisode 2 Infernax. Rien que le titre, hein, comme ça, hein. Rien que le titre est magnifique, hein. Infernax. Rappelez-vous, hein, on s'était fait botter le cul dans le donjon 2, il me semble, hein. Et on a décidé que le jeu était trop fort pour nous, donc on backtrack. Ce qui est un peu pénible. Mais bon, on va aller se stuffer, on va essayer de faire le donjon numéro 1 avant. On va essayer de faire les choses dans l'ordre parce que là... Rien que l'armure déjà. Je pense que l'armure, c'est un investissement, quoi. C'est 100 balles, en plus ça vaut rien. Là on avait dit on peut descendre. Je ne sais plus du tout quel endroit c'était. Hein. Je suis au pire. Là on tombe dans les monstres, donc là faut que je saute là. Je suis tombé pile poil sur les monstres. Ah non mais clairement hein, le jeu. Laisse pas respirer. Là c'est où il y avait les bandits, non? Donc là il y a le sort à 250. Le sort de soin. Est-ce qu'il faut pas farmer un peu pour acheter le sort de soin tout de suite? Après on n'aura pas assez pour acheter un code de maille, mais sur le retour c'est bon quoi. On va se refaire de la thune. En vrai, c'est... ouais mais c'est une pièce par une pièce, c'est ça? J'ai pas trop fait gaffe. Mais des fois il y en a pas. Non, là on a des loots, 5 pièces, ouais, non, mais ça va faire. 250, ça c'est vite. Ça fait de l'XP en plus. C'est marrant qu'on voit les points d'XP qu'on gagne. On voit pas les dégâts que j'inflige. Un peu de farming là. Je m'y attendais pas mais... J'avoue, hein, moi, j'aime bien ça parce qu'à l'époque c'était un peu ça aussi. Hein. L'ancien jeu, fallait farmer un peu comme ça les salles. Pour faire de la thune, pour faire de la magie, je sais quoi. C'est un peu chier quoi. Et ça n'existe plus trop dans les jeux maintenant. Ah si. Si mais les jeux, les MMO, les trucs comme ça, d'accord, faut farmer. Mais pas les jeux 2D. Les jeux indépendants, là, ça n'existe pas normalement. Pas besoin de farmer. Dans le menu, ils donnent pas les stats de l'arme. Peut-être, ouais. Un peu. Quête, inventaire. Masse de fer classique. C'est tout à fait une masse de fer classique. Il est ouvert la nuit. Je suis rempli de sang. Comment ça se fait? Sort de soin, vas-y go. En vrai, déjà, rien qu'avec ça, déjà, on pourrait peut-être refaire le donjon. Retenter le donjon. Mais regardez! C'est le troisième sort! C'est-à-dire que j'ai trop avancé dans le jeu, quoi. Le premier sort que je débloque, c'est le troisième. Non, mais il faut revenir en arrière, évidemment. Faut se stuffer un peu. Mais j'avais oublié que les ennemis ils enlevaient 12 de PV à chaque fois qu'ils te touchent. Tout ce que j'ai fait là, ça sert à rien. Ah, mais j'ai ma vie. Oh, putain, mais c'est terrible quoi.
j'avais mon sort en plus, hein, mais j'ai pas fait gaffe à mes points de vie. Je me suis fait toucher deux fois, je me suis dit c'est ok. Pas du tout. Hein. Allez. Ouais, la carte. On va voir un peu la carte. Là, oubliez YouTube, là, on a combien là? 5 minutes de vidéo, ça va. On a perdu 5 minutes. C'est terrible, hein. Oh, le jeu, quoi. J'ai pas le droit de me faire toucher, quoi, c'est ça. Mode classique, ils disent. Heureusement qu'ils ont pas fait un mode dur. Moi, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est pour voir. On commence à sentir l'impatience du joueur. Donc, on n'a pas le choix là. On n'a pas le choix. On peut pas. Il faut garder cette vie intacte. Il faut qu'on aille chercher quand même ce soin, hein. Ce sort de soin. On l'aura tout de suite comme ça. Après, faut y aller doucement, quoi. Mais c'est la nuit aussi. C'est ça le problème. Il y a des ennemis. Je me suis fait toucher deux fois. Il y en a un qui m'a enlevé deux et l'autre qui m'a fini. Ça sert à quoi d'avoir 5 points de vie si j'ai le droit de me faire toucher que deux fois? Putain, j'ai refait la même connerie. Hein. Ça a failli pas passer. Faut arrêter de me coder la vidéo, clairement. Au bout d'une heure, bah c'est bon, vous pouvez regarder. Ce moment-là, c'est où on découvre des nouveaux trucs. Sinon, tout le reste, c'est des replays. Hein. On se fait tuer en boucle. Et la prendre, là. Je fais ça pour farmer un peu d'argent, parce que dans tous les cas, il va falloir. Donc, il va falloir. Façon de parler. Même déçu qu'il n'y ait pas un truc ici caché, quoi. Tellement évident, quoi. Hop, juice. Le problème, c'est que comme on farm, on prend plus de temps et ça va être la nuit, on le sait. La prochaine fois, j'hésiterai pas à utiliser mon sort de soin. Parce que je me suis dit, ah, j'ai que 2 points de vie perdus. On va essayer d'optimiser le sort de soin et voir combien il redonne. Et j'ai pas eu le temps de l'utiliser, il m'a one shot le con, quoi. Bah, one shot, il m'a resté 3 points de vie, mais quand même, quoi. Plus de la moitié de mes points de vie, techniquement. C'est la bonne celle-ci.
Déjà, c'est pas la nuit encore. Hein, 3 MP le soin. Tu vas en faire qu'un, quoi. En plus. Il a fallu que j'ouvre ma gueule, hein. C'est pas la nuit. En même temps, c'est bien. Parce qu'on peut voir, là, c'est pas les ennemis de nuit encore. C'est les ennemis de jour, ça. J'étais à cette salle. Il n'y a pas de transition. Bah, il n'y a pas transition d'ennemis. Regarde les mêmes. C'est juste là après, là. Ça va déconner de là. Je suis mort. J'utilise, hein. On a vu, ça me met plus que 3. Ça met au moins 3 de dégâts, les ombres noires, là. Donc, une touche et je suis mort. C'est obligé de mon soin. Oh, le demi-tour qu'il m'a fait là, je m'y attendais pas du tout. À droite, c'est un coup de sac là. Ça nous est fermé pour l'instant. C'est la citadelle. Il faut dégager les 5 sauts. On a une sauvegarde juste là. Justement devant le donjon de Valshire. Ça redonne la vie déjà. On avait perdu la vie, hein. Quoi que peut-être pas. Le village, il est où, là? Il faut quand même se retaper. Ouais, mais c'est juste au-dessus, en fait. Faut juste aller à gauche. On revient. Enfin, let's go. On va aller au village. Évidemment. Je viens de me soigner, je perds directement. Mais non. J'ai pas sauvegardé. J'ai sauvegardé ou pas? J'ai un doute. Ouais, parce que j'ai peur, là. Il faut que je sauvegarde. Que là c'est le pont, non? Et c'est la nuit, il va se passer un truc. Améliorer, mais en plus on peut améliorer. Mais j'aurais dû prendre un peu de magie quand même. Bon, ce sera le prochain truc. Et la baston aussi, quoi. Pas mal la baston. J'avais pas sauvegardé du tout, hein. Un point de vie, c'est pas déconnant vu ce qu'on prend dans la tronche. Ah, est-ce que je peux sauter sans me faire baiser? Magouille, là, il y a magouille. Oh, laisse-moi tranquille. Donne-moi tout ton or et on verra après. Eh. Oh, bonsoir, sire. Je ne vous avais pas vu. Ah, je ne peux pas de problème. Laissez-moi filer en échange d'un peu d'or. 100 pièces. Qu'en dites-vous? J'avoue que... Pour une modique somme d'argent? Bien heureux d'avoir trouvé un terrain d'entente. À la prochaine! Je t'en prie, pas de soucis. Je croyais qu'il allait le tuer quand même, quoi. Ah, ces lieux sont bien trop hostiles pour un vieil homme comme moi. Merci quand même de m'avoir sauvé. Merci, bienvenue, Patate Épique. Encore un beau pseudo, hein. Vous les trouvez où, vos pseudos? Bon. On a pris la thune. Je peux pas le toucher, c'est dégueulasse. Hitbox, la lightbox. Bon, de toute façon c'est en haut, on va. La gauche on peut pas là, c'était. Il faut un truc pour casser les cailloux, j'ai pas ça. Bonne chance pour le jeu, bah, pour la petite info, je sais pas si tu viens d'arriver ou si t'as vu un peu avant. Mais je suis allé au donjon 2 sans trop savoir, hein. J'ai pas de code de maille, j'ai rien, je suis à poil. Je me suis fait souiller. Donc là on a décidé de revenir au village en se disant bon, doucement.
C'est bien qu'il m'a donné les 100 balles là. Ah, c'est bien. On va pouvoir acheter la côte de maille quand même. Parce que. Après, il y avait. Qu'est-ce qu'il vendait lui? Vie extra, donc ça on a pris. Il y a un bouclier. Un sort de bouclier. Un sort, visiblement, donc bon. Ah, bah c'est bien que tu sois là depuis 5 minutes parce que. C'était désagréable pour tout le monde. Me faire botter le cul en boucle, c'était pas beau. Hein. Je pourrais une flasque de potion supplémentaire, c'est pas déconnant non plus. Hein. Bon, je te prends la côte de maille parce que bon, à mon avis, on prend tellement, quoi. On prend tellement de dégâts. Après, c'est vrai que j'avais une côte de maille rouillée. Ça réduit légèrement les dégâts, mais c'est toujours ça. Ouais, je suis parti sans rien acheter. Bah, en fait, j'étais pris par le jeu, quoi. J'étais pris par le jeu. Je me suis dit, bah, on continue, let's go. Il faut que je sauvegarde à chaque fois que je vois un point de sauvegarde aussi. Très important. Il n'y avait pas le pote, là. Il est où, le pote, avec sa ferme? C'était dans le point à gauche, là. On a débarrassé sa ferme du nécromancien. C'est par ici, je crois, non? Pas du tout. Ah, en revanche, il y a pas l'autre qui me disait, si t'as besoin d'un conseil, viens me voir. Il est là. Père Henri. Bon, le fort de Valchir se trouve près de la citadelle d'Urzon. Vous y trouverez peut-être des réponses. Ouais, mais... Merci. Ouais, dans la caserne, c'est ça, ouais, c'est là. Oh, vous êtes occupé. Nous en sommes redevables, messire. Quête complétée. Ouais. Ah, j'allais dire, je gagne quelque chose quand même, ou comment ça marche? 100 pièces. 100 pièces pièces, on achète la potion, non? La potion supplémentaire. C'était 150, non? J'ai tout pile. Là, on va se stuffer, vraiment, parce que j'en ai marre d'en prendre plein de... On s'est compris, quoi. Ah, il y a le sort de bouclier, sinon... de bouclier, c'est un peu nul, non? Enfin, ça dépend. Faut voir comment ça fonctionne. Je préfère quand même m'acheter une potion supplémentaire. 100 pièces en plus, ouais. Oui, je suis certain d'acheter ça. Luc M. Maître Luc? C'est vous, Maître Luc? Il était où, le pote? Qui m'en a donné, c'était la taverne. C'est lui là qui me les vendait gratuit. C'est ça, il me les vend gratuit. Okay. En plus, il faut acheter plusieurs fois. Mais à tous les coups, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, quand c'est gratuit, j'achète. Mais là, s'il me dit gratuit, c'est qu'il y a des endroits où on peut certainement acheter des potions, mais que c'est pas gratuit là-bas. Là, c'est juste le village de base, donc c'est bon. Bon, maintenant, on va faire le donjon de Valchir. Peut-être pas trop laisser la thune derrière nous, quoi. On est potes, non? Je peux améliorer votre sort de bouclier. Je l'ai pas acheté. Sort bouclier nécessaire. Bouclier de ronce. C'est pas mal, mais on voit pas le prix. Combien tu... Combien? J'ai pas le... J'ai pas.
T'as 30 pièces d'or à farmer pour le sort bouclier avant de faire le donjon. Oui, mais on a déjà fait que ça, quoi. Je veux dire, on n'avance pas, ça fait 20 minutes, on a rien vu du jeu, quoi. On n'a rien vu de plus du jeu. Donc, on va gentiment faire une sauvegarde ici, et on va faire ce donjon-là. Si je meurs dans le donjon, déjà, je reviendrai là. C'est parti. C'est peut-être moins coriace ici aussi, parce que j'ai tellement d'ennemis de l'autre côté, là. Tellement d'ennemis, non, mais... Il y avait le connard à l'épée en flamme, là, déjà. Ouais, c'est un peu les mêmes ennemis, quand même, quoi. Donc, niveau difficulté, je suis pas sûr que ça change. Bah ouais, je suis allé dans le deuxième donjon avant de venir ici parce que, je sais pas, je me suis dit, le cimetière. Je croyais avoir une quête au cimetière, je suis allé au cimetière. Et, de fil en aiguille, bah voilà quoi, c'est... J'ai continué le cimetière quoi. Et je suis arrivé au fond et il y avait une porte. Et je me suis relevé vraiment à la dernière seconde. En revanche, on a perdu qu'un point de vie. Déjà ça c'est... Je pourrais tenter le sort de soin déjà. Il manque 3 points de vie. Voir combien ça redonne, mais il faudrait qu'il manque plus de points de vie. C'est obligé les salles comme ça. On bourre, on avait dit on bourre, ça marche bien. Allez, pas avec le chevalier épée. Ah si, on pourrait, mais. On peut jouer prudence, jouons prudence. Ouais, j'étais chaud, j'étais pas chaud, j'étais stupide surtout. Parce que quand le vieux il m'a donné la clé, il a dit ouais, faut aller au donjon machin. J'ai dit ah, c'est celui juste à côté, et j'y suis pas allé quoi. Donc, et là ça va. Là. C'est bon. Ouais. En plus, ça m'a permis d'apprendre un peu les patterns des ennemis. Pourquoi pas quoi. Bon après les patterns des ennemis je les connais hein. Moi Zelda 2 j'y ai joué hein. Et Simon Quest aussi hein, j'y ai joué à fond. Hein. J'ai les deux d'ailleurs. J'ai les deux, ils sont là. Terrible, j'ai pas de clef. J'ai pas de clef. C'est vicieux ça aussi. Hein. Vous avez vu le petit détail ou pas? Alors qu'ils mettent la porte, ils auraient pu mettre la porte ici. Non, ils mettent à la transition de l'écran comme ça. Tu vois que t'as pas de clé, tu reviens, tu dois te retaper les ennemis. Les développeurs. Hein. C'est vicieux un développeur. Faut faire attention à ça. Putain, mon pote. Terrible. Devant mes yeux. On peut le pousser dans les pics lui ou pas? Il s'en fout. Attendez, parce que le timing est pas bon là. Ah, je peux me poser entre les deux. J'aurais pas dit. Hein. C'est marrant, mais j'aurais pas dit. C'est juste que là, j'avais pas le choix, donc. Faut trouver le bon timing là pour lui. Ça c'est une technique Zelda 2 ça, je sautais comme ça. Bien joué! Fais gaffe l'œil! Ah, je t'ai sauvé l'ami. On peut pas lui parler? On peut pas lui parler. C'est décevant ça. Bon, c'est forcément par là, hein. Jetons un œil à la carte. Voilà, là-bas c'était fermé et il nous faut une clef. Ça passe pas, non? Terrible. Terrible!
le petit piège en plus là au bout. C'est un petit régal. Les deux là, les deux. Encore une clé hein, gardée par ce genre de ennemis. On va les appeler les squelettes épiques. J'essaie de lui mettre deux coups. Faut que j'arrête de grid comme ça. Mais quoi, zéro pièce? Quand même donné 250 XP. C'est pas mal. J'avoue là. Ah. Je vous ai dit qu'il y aurait des trucs planqués dans ce jeu. Manger. Il manque 3 points de vie, c'est parfait, non? Pardon? D'accord, il était vert le poulet, mais... Je me suis fait chier à trouver un truc. Ah, les salauds! J'ai tout vomi? Un poulet de mur? Mais où avais-je la tête? Un poulet de mur. Ah, c'est vrai qu'il était vert, mais je me suis pas méfié, moi. J'ai perdu des... Non, j'ai pas perdu de points de vie, donc ça va. Non, c'était un troll, mais ça va. Ah, les cons. Non, mais... Je sais pas comment j'ai paré cette attaque, mais je l'ai fait. Mais ça, c'est sympa. Putain, mais j'étais tellement content d'avoir trouvé un truc planqué. En me disant, je vous l'avais dit, et tout. Alors, est-ce qu'il y a des vrais trucs planqués aussi? Ah, c'est pénible. J'utilise la potion. Non, j'utilise le sort. C'est un full HP, on dirait, quand même. Hein. Ça m'a remis 4 points de vie. Cette fois-ci, on a la clé. J'aurais dû m'abaisser, hein, je le sais en plus. Juste à s'abaisser pour ces pièges. Bah, je cherche quand même des trucs cachés, quoi. Mais... Ah, mais là, c'est encore une fois, c'est dégueulasse. On va en haut ou en bas? J'ai pas assez de patience. C'est parce que je voulais le bourrer avant qu'il tombe. Ah bah c'était en haut qu'il fallait aller. Hein. Il y a même un sort. Le deuxième sort, du coup. Il faut quand même savoir, voilà. Le troisième sort, c'est le premier sort que j'ai découvert. Mais je m'y attendais pas, celle-là. Invoque un puissant tonnerre. Attends, potion, sort. Ouais, non, mais d'accord, mais bouge. D'accord. Et là, les potions, le jeu m'a spoilé qu'il y aurait des potions différentes. Ah, des potions de mana, tout simplement, peut-être. Ok, je peux changer. Sauf que j'ai plus que un... On voit combien ça coûte, ça? 4 MP. 4. Le soin, c'est 3 et ça, c'est 4. Ah, ça doit être fort, hein, mais... Mais c'est tout mon mana, quoi. Attention, attention.
je me suis pas méfié de l'œil là. On me l'a déjà faite celle-là, merci. Ah. De nouveau un pote. C'est quoi 250 points de XP, non? On avait dit. J'ai 2004. Attention, attention. Il me tue lui, j'imagine, s'il me touche. Je sais pas combien je peux enlever. Quoique j'ai ma cote de maille. Une petite épée enflammée contre ma cote de maille. Voilà, 250 et de la thune. Là on est d'accord. Bon. On a vu hein, que j'étais carrément serein sur mon saut là. Mais c'est dégueulasse, j'ai pas compris comment on les tue. J'aurais dû utiliser une petite potion. J'aurais peut-être dû. Comment je fais? Aïe. Il y a un mouvement de recul quand je le touche. Ah ouais, il faut pas aller au corps à corps, faut le laisser venir. Ok, j'ai compris. Ça aurait été bien de comprendre avant de crever, mais j'ai compris. Mais, petite odeur de basse là. Trois yeux. Comment ça? Ah. Il a bien plus que trois yeux même. C'est particulier. C'est particulier. Alors. Déjà ok. Ok, il peut invoquer. Il fait des conneries de flammes. Attention les flammes. Ok, d'accord. Je vois. Ça me touche ou pas là? C'est dangereux ces flammes là. Si je reste là, c'est bon les flammes. Ouais, ok. Touche pas là. Ah, la tête. C'est nouveau ça! Je croyais qu'on avait vu les deux patterns quoi! Non, il y en a un peu plus quand même. T'as pas dû avoir une enfance facile, on est d'accord. Hein. J'aurais peut-être pu esquiver en m'abaissant. Je bois une potion. Ok. Mais terrible le feu là. Le feu faut rester proche, ça je m'abaisse. Ok, mais en fait il est facile le boss. Le mec direct, quoi, il est facile là-bas. Ah, mais ça, tu peux me faire la boulette tant que tu veux, j'ai compris maintenant. Le feu. Mais ça va. Voilà. Respectez-moi un petit peu. Je suis encore rempli de. D'entrailles de monstres. Château complété, plus 500 d'XP. Mes aïeux. Qu'est-ce que c'est, la boule? Tu vas casser? Ah mais oui, c'est le saut. Le saut démoniaque, ok. Premier saut, détruit. On sait où il y a le deuxième donjon déjà. Il était bien le boss quand même. Il était pas si dur, mais il était bien. Ça, c'est génial. Nous remettre à l'extérieur directement. On peut améliorer. On booste les dégâts. Et on va pouvoir s'acheter un petit point de mana, là. Comme ça, je pourrais utiliser mon sort de foudre une fois et ma potion une fois. Mais pas les deux, hein. C'est soit l'un, soit l'autre. J'ai toujours pas assez de mana pour faire les deux. Du Clinkus. Il sort du donjon, il y a une tripe de monstre plein les cheveux. Bah ouais, non, mais c'est ça. Ça fonctionne bien, mais... On a 208 de thunes. On va acheter le sort de bouclier. C'est juste à côté, hein. Là, je saute sur les ennemis si je fais ça. Il n'y a pas d'ennemis. Parce qu'il y a lui, j'aimerais bien quand même. Alors, à tous les coups, il va me demander 250 pièces d'or et je pourrais pas acheter l'amélioration du sort. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a des améliorations de sort. C'est plutôt cool même.
Là, on est juste à côté du pour le bouclier là. Donc, là. Je peux racheter une potion gratuite aussi chez le maître brasseur. C'est très important. Je suis encore couvert de sang. J'arrive. C'est pas terrible quand même. Vas-y, je t'achète ton sort de bouclier. Après ça doit pas coûter cher en MP. Le premier sort. Améliore la force de votre armure. 2 MP quand même, hein. Est-ce qu'on avait autre chose à voir dans cette ville? Parce que lui, on lui a tout pris, hein. Voilà, ça c'est fait. Fais-nous un test de foudre. On pourrait faire un test de foudre. Là, par là, il y avait quoi d'ailleurs? C'est le début du jeu, mais... Il y avait quand même des trucs. Après, j'ai rien débloqué de plus, là. Hein. Juste se reprendre une petite potion. Non mais... Évidemment que oui. Les boss, hein, franchement, ils ont du style. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Rien que le premier, là, le boucher, qui vient taper à la porte. Donc maintenant on va au deuxième donjon, pas le choix. Et on fera un test de foudre. Alors on peut peut-être faire un test de foudre. On verra. Genre sur plusieurs ennemis comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal, ça a one shot tout le monde. Mon bon monsieur, 100 balles. Allez, adieu, j'ai vendu. Donc, qu'est-ce que ça fait? Allez, améliore la force de votre armure et blesse vos ennemis. C'est genre une aura qui sera autour de moi et qui va blesser les ennemis en même temps que de me protéger. Faire tester ça aussi. D'ailleurs c'est un peu con, mais j'ai dit à chaque fois qu'il faut qu'on voit une sauvegarde, il faut sauvegarder, faut pas hésiter, parce que chaque minute perdue, hein, dans ce monde à cause de la mort est un triste constat. Donc On est d'accord que j'ai que ça à faire, hein, de toute façon. Que tous les autres endroits me sont fermés ou me sont inaccessibles. On va que c'est mieux, bien sûr. Il ne manquait plus que ça. Après là j'ai de la vie, j'ai du mana, j'ai des potions, j'ai des sorts. Ils vont moins rigoler là au deuxième endroit. Hein. Hyper souillé direct. Mais non. Voilà. Déjà là, voilà, il m'a enlevé qu'un point de vie. Là. Il m'a fait qu'un dégât. Alors qu'il perdait deux cœurs sur ça. Là. J'ai failli me faire toucher par la mythe là. Ça aurait été terrible. Ça. Arrête.
Alors, après, il y a de nouveau le coin. Le coin plateforme. À faire. Je sais plus combien c'était les prochaines améliorations. Est-ce qu'on peut le voir ça? Ah, on voit pas, j'ai force 3, santé 3, mana 2. Et on voit pas combien faut d'XP pour les prochains levels. En vrai, cette phase de plateforme est pas trop dure. Y avoir un troll ou deux, on a pu le voir, mais dans l'ensemble c'est pas trop dur. Là en revanche j'ai déconné, vous voyez, j'ai voulu grid en disant ça passe, mais ça passait pas. Il faut un peu de patience, c'est l'ennemi du gamer ça, la patience. 3000 plus pour XP. Ouais, pour la force, ouais, et la santé. J'ai bien envie de mettre un point dans la force hein, pour le prochain. Tu vas me faire écraser là ou c'est moi? Donc là, on sauvegarde. Déjà, la différence, c'est qu'on a deux potions. Bon, on est plus balèze aussi, hein, évidemment. Mais tout à l'heure, on revenait et on avait zéro potion. On avait une vie, mais zéro potion. Attendez! C'était pas trois coups ces squelettes? Non, c'est deux. Ah, mais ça change tout. Déjà, ça change tout. Faut aller chercher la clé à gauche, on sait maintenant. On connaît le donjon par cœur. Regarde améliorer. Merde, ouais, j'aurais dû regarder. De toute façon, on n'avait pas assez. Je vais économiser pour la force. Faire des points de vie, on en a trop maintenant. Je vais plus me faire toucher de toute façon. Là, regardez bien, hein, parce qu'on dire que tout à l'heure j'ai galéré, et là je vais pas me faire toucher. Hein. Regardez bien quand même, parce que ça peut aller vite. Voilà, comme là ça peut aller vite. Là ça comptait pas. J'étais pas prêt. L'argent, hein, l'argent. L'appel de l'argent, ça a failli me la mettre. Hein. Ah, mais lui aussi, du coup, il va prendre plus cher. On a boosté notre attaque, donc ça devrait aller plus vite. Un combat avec lui est un peu pénible. Hein. Oh, ça va. Je dis ça, mais ça va. Ah, là, on l'explose. Je prends ma clef et on y retourne. J'ai foiré mon saut, mais une fois là, j'y suis allé aussi, j'étais couillu. Tu roules sur le donjon, ben non, mais évidemment. Là, on va rouler sur le donjon. Peut-être pas le boss, mais encore que le premier boss, il m'a un peu... Le design était bien, tout ça, mais les patterns, ils étaient faciles à lire, hein, finalement. On a compris tout de suite, hein. À part la première fois, il a fait la boule de feu, là. La téléportation boule. J'avoue, je m'y attendais pas, mais sinon... Le feu, en fait, son attaque de feu aurait pu être dangereuse si on savait pas de quel côté ça pop. Mais en fait, ça, c'était toujours au même endroit, donc... Je suis allé tout de suite là. Oh. L'impatience, hein. Bon, on a plein de vie, on a plein de vie, tout va bien. Bon, la lave, il faut éviter. On a compris qu'il fallait éviter. C'est un peu terrible, hein, d'avoir perdu une vie là-dessus.
Disons que si on arrive à torcher le donjon, ça va. On a vu que dans le premier, il n'y a pas de sauvegarde. Hein. D'ailleurs, tu fais le donjon, c'est tu te débrouilles, quoi. Moi j'espérais une sauvegarde dans le donjon, mais c'était trop demandé. Enfin, j'ai pas le timing. J'aime pas. Mais lui aussi, l'œil là. On comprend pas le pattern de l'œil en revanche. Lui, on comprend bien qu'il nous la met. On sait pas ce que c'est, mais on comprend. Je peux passer dans son dos, vous croyez, pour le. Ouais, non, mais il est pas con, il se retourne, quoi. Qu'est-ce qu'il. Quelle idée j'ai eue, moi, en me disant bah, il va rester comme ça, il va pas se retourner, je vais pouvoir aller dans le dos. Non, mais ça marche pas comme ça. J'ai pu lui mettre un petit coup quand même dans le dos. On a deux clés. Il nous manque un pev, on a encore deux potions. Juste pas tomber dans la lave parce que ça one shot. Là, ça serait terrible. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je me fais ça? Je m'inflige ça. Et là, c'est sûr qu'on va crever avec la lave, hein, en disant des trucs pareils. Ça passait, c'était large. J'ai totalement ignoré l'œil. Je sais pas si c'était une bonne chose. Hein. Ça s'est bien passé, mais ça aurait pu être très grave. Attendez, c'est où la sortie là? J'ai fait, je me suis équipé de mon. Non, mais mets-moi la map, s'il te plaît. Okay. Ouais, c'était bien au fond. Hein. Je croyais que c'était bien avant qu'on remontait, mais non. Dans son crâne, mais c'est toujours un plaisir de voir ça. On sait pas qu'on l'aime pas, mais l'animation est belle. J'aurais eu ça à mes 12 ans là, un jeu comme ça là. Je serais devenu un psychopathe probablement. Mais c'est... On a compris, toi, on te laisse venir. Quoi, il y a la version avec la lance aussi. Ah, sauf que lui, c'est en haut, en bas. On sait pas. Donc dans le doute, on reste en bas. Comme ça, que soit il tire au-dessus de nous, soit on part avec le bouclier. Ça, c'est la théorie, hein, après la pratique. Mon... Ah ouais. Ok, je vois. Pas mal. Ça reste longtemps ou... Ça reste toute la salle? Comment ça marche? Un nouveau sort. Ah non, c'est une capacité, autant pour moi. Qu'est-ce que j'ai? Vous permet de briser les blocs fissurés et de renvoyer les projectiles physiques ennemis. Ah ben voilà, parce que bah en fait, il n'y a que ça qui nous bloquait. Non, il y avait aussi des hauteurs trop importantes pour y accéder. Mais on avait pas mal de rochers, les fameux rochers marqués. Ça s'est arrêté au changement de salle, mais est-ce que c'est un rapport ou c'est juste un timing? Il y a
pas mal de pièces, lui. Mais ils sont tous là. Hein. Mais il y a les yeux aussi. Après, il y a une grosse pièce, mais c'est pas non plus... C'est plus 5 ou plus 6, je peux voir. Ça va pas, ça. J'ai envie de rebalancer un truc, mais c'est 3 MP qu'il me faut pour le sort de soin. Il faut garder quoi, il faut garder les MP pour le soin. Rappelle, hein, la lave là ça tue. Hein. Encore un peu de lave, s'il vous plaît. Mais c'est le boss en plus, non? Oh, mais c'est dégueulasse. Il y a de la lave ou il y a le boss? C'est déjà le boss, cependant. Ça dépasse un peu, tu feras attention. L'ambiance des boss, oh, fâche. J'ai totalement pas vu venir hein, le la lance. Attention. Ah non, mais non. Soin ou pas soin? On attend un peu. Ok, ok. Claquer mon soin. La lave, je l'ai vu la lave de mes yeux. Épique, épique. Ses points de vie, je regardais pas ses points de vie, ça va. Mais quoi? Il bouge maintenant le fumier? J'ai plus assez. Moins une goutte. Mais c'est mieux à droite. Hein? C'est bien mieux à droite parce qu'il n'y avait pas la lance. Il n'y avait pas le piège lance. Ok, hein. Ça c'est relativement bien passé quand même, mais ça va que j'avais tous ces soins parce qu'on passait pas sinon. Ok, et de deux. Ah là, YouTube, ils sont sur le cul hein, parce que on a passé un épisode pendant 30 minutes, on s'est fait ouvrir en boucle sur ce donjon. Et là, en 50 minutes, on a fait deux donjons. Ok, très bien, hein. C'est pas mal. On améliore. 5000, j'ai 5000. Vous avez vu ça YouTube, effectivement. Ils sont au taquet hein, YouTube là, ils dorment tous devant la vidéo, on le sait. Bon, on est la patate hein, force hein. Il me reste combien? 1890, on peut acheter un peu de mana. On est tellement bien déjà. Pourquoi il y a un truc pour l'interrogation, j'avais pas vu là. Il y a autre chose. Et du coup, patate épique, tu t'as fini le jeu déjà? Tu disais que tu connaissais.
je voudrais savoir un peu le temps de jeu, à peu près, hein. Parce que bon, c'est selon les personnes aussi, si tu galères pendant une demi-heure sur un donjon ou pas. J'ai fait le tour. Attends, je peux regarder les gens se faire dessus, ok, d'accord. Mais t'es bienvenue, t'es au bon endroit. Mais genre 15, 20 heures de jeu peut-être, en côté linéaire, hein. À moins que t'as farmé le jeu à fond. 7 et 10 heures, merde. Ah ça me fait mal au fion de, que tu me dises ça, en revanche. J'avais espéré une petite vingtaine d'heures de jeu quand même. Et je suis un peu gourmand, j'avoue. T'inquiète pas, ok, bon, je m'inquiète pas alors. T'as vu, je commençais à paniquer, là, j'étais pas bien. J'étais en sueur. Tu m'as dit panique pas, je... Merci, heureusement. Là à gauche, il y a un passage. Mais après, il y a plein de passages maintenant. Pourquoi il y a un petit carré, là, qui est pas découvert dans la zone où je suis? C'est bizarre, non? Parce que, on voit la zone au-dessus, Valshir, là. Là, en bas à gauche, il y a un truc à Valshir. Et ça, c'est un cul-de-sac. Je crois que c'était une maison qu'on pouvait voir, une petite maisonnette. Parce que là, on va continuer le jeu, quoi. Alors, on continue le jeu. C'est vrai que je peux faire ça. C'est-à-dire que là... Là, il est quelle heure, là? Il va être un petit 17h, non? C'est dans ce style. On continue le jeu jusqu'à 3h du mat. Je peux pas pousser plus. Sans manger, hein, sans manger, sans se lever, sans aller pisser, voilà. Et on finit le jeu direct. Et on fait des petites vidéos d'une heure pour YouTube, là. On est peinard pour la semaine prochaine. Ah, ils ont une vidéo par jour. Ils sont refaits. Hein. Ils sont refaits. Ça fait un mois que j'ai rien posté là. Je suis vraiment un branleur. Non mais le pire dans tout ça. Bon, j'ai pas streamé depuis un mois donc forcément, y'a rien qui sort sur YouTube. Mais le pire c'est que j'ai encore des vidéos à sortir. J'ai des vidéos à uploader et tout d'Isaac. Moi je sais bien que ça intéresse pas grand monde Isaac. Mais en tout cas. Sur YouTube, pour moi, il y a plein de streamers, Isaac, ça fonctionne évidemment, mais j'ai pas leur talent. Donc on va voir là c'est pareil, on peut ouvrir maintenant. Mais j'ai quand même envie d'aller voir la petite maison qui est là-haut, c'est juste à côté. Et on sait que c'est un cul-de-sac là-bas, c'est intéressant d'aller voir les cul-de-sac tout de suite. T'as joué à peu près 30 heures sur le jeu, d'accord. Donc mes 20 heures sont pas déconnantes, quoi. C'est après, quand tu dis ça, c'est parce que tu dis, ouais, t'as poncé un peu le jeu. Visiblement, t'as bien aimé, et du coup, tu l'as retourné. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Alors, je sais pas à quelle... dans quelle mesure ça fait évoluer le jeu, beaucoup ou pas. Mais le côté intéressant, c'est qu'il y a quand même les choix moraux. Même pas moraux, mais juste les choix. On a eu déjà plusieurs choix disponibles. Donc, parce que comme là, alors je sais pas si c'est lié, mais sur le pont, quand j'ai dit vas-y, donne-moi les 100 balles, loulou, vas-y, je t'ai pas vu, donne-moi les 100 balles. Juste derrière, on a eu le sorcier, donc un de ses compères. Je crois pas que c'était le sorcier qui était en train de menacer. Quoique c'était peut-être le sorcier finalement, mais. Bref, un des vagabonds qui m'a proposé le sort amélioré. Et je me dis, si on l'avait buté, ben on n'aurait pas eu ce choix-là. Eh, mais c'est dégueulasse, il me suit, je voulais essayer de le semer, mais j'ai pas réussi. Mais ça sent pas bon, ça, non? Je sais pas si je peux avancer encore. C'est vrai que maintenant tu le dis, Soren, j'ai réussi à esquiver ça. Parce qu'au début, il y en a un qui m'a dit « Ah, aide-moi !» Je l'ai buté.
Et après, le bandit, il me dit, ah, je te file 100 balles. Je dis, ouais, vas-y, c'est bon. C'est vrai que, bon. Et la gonzesse, elle m'avait vu, hein, buter le mec au début. Il n'y a pas eu de conséquences. Et donc, je me dis, mon choix sur ce pont-là a fait que la conséquence, c'est que j'ai pu améliorer mon sort. Si j'avais buté le mec, est-ce qu'on aurait eu quelque chose de différent? Ou c'est juste, bah, t'as loupé ça? Me répondez pas, c'est de la rhétorique, quoi. Après, c'est pareil, je vais poser une question à qui faut pas répondre, mais est-ce qu'il y a plusieurs fins au jeu? Parce que si on a des choix comme ça, c'est qu'il doit probablement avoir des fins différentes. Je suis juste en train d'analyser tes choix moraux. C'était sur le moment, c'était au feeling, quoi, je sais pas. Bonjour, c'est Daniel. Un noble chevalier, une énorme créature se terre dans ma cave et je suis incapable de l'atteindre. Si vous pouviez l'éradiquer, je vous enseignerai la technique de combat ancestrale de ma famille. Vas-y, go. Prenez garde, je n'ai jamais réussi à m'en approcher suffisamment pour l'atteindre. J'ai pas de boule de feu, moi. Il me faudrait un sort de à l'éloigner, quoi, c'est ça que t'es en train de me dire. Ah, c'est Mario? Ah non. Et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un boss! Et quoi? Ah mais je peux pas! Ah mais sauf que je renvoie les projectiles! Oh mon dieu! Ah c'est dégueulasse! Je renvoie les projectiles, alors il peut renvoyer dans l'œil. Mais quoi, c'est vachement dur! Ok. On va crever là, hein! J'ai pas sauvegardé, si j'ai sauvegardé. Mais merde, c'est l'œil d'en haut qui est ouvert maintenant, j'avais pas fait gaffe. Il s'alterne des fumiers. Voilà, on touche. C'est la première touche, y a pas perdu un cœur, mais on touche. Et balance-les, tes trucs, là. La grosse boule, deux cœurs. Ah, mais c'est bon. Ok. Ça c'est la phase. C'est la phase Life of Force quand il fait tomber les trucs. Salamander pour certains. Moi c'était Life of Force. Ça a touché ou pas ça? Je suis pas sûr. Ça va le toucher. Ça il l'a bien pris dans son museau. C'est terrible de se faire toucher là-dessus. Ok, là ça l'a touché aussi. Ça, cette phase-là où ça tombe, c'est totalement pensé à Life of Force. C'est pas possible! C'est pas évident de renvoyer ces petites boulettes en même temps. Je prends un soin quand même là. Je pense qu'il faut jouer prudent. Ça. Si je prends un coup et qu'il m'enlève deux, faire la gueule. Et bizarrement ça m'a rien enlevé. J'ai tué l'œil d'en bas. Ah, l'œil d'en bas ça veut dire autre chose aussi. C'est trop. Mais non, je pouvais pas la louper celle-là, il fallait pas la louper. Je l'ai vu. J'ai vu que j'allais la louper. Dommage. La grosse boule maintenant. Ah non, le plafond. Maintenant la grosse boule. Putain, j'ai pas cru en moi. Terrible. Putain, non! Ah mais j'ai une vie! Ah ouais, mais j'ai une vie, mais... Lui aussi, lui regagne toute sa vie, quoi. Ah, c'est pas grave, là on sait, là on connaît. Terrible, hein. Ça va, j'ai une vie.
Ah, faut pas chier dessus, voilà. J'en ai pas derrière. Ah. J'arrive pas à renvoyer cette boule hein, vers le haut. À chaque fois, je me fais avoir. Bon, j'ai deux soins quand même. Bon, bah, c'est moi, ça. La grosse boule. La grosse boule, là, ça va. La réception, là, j'y arrive. Mais vers le haut, j'y arrive pas. Ah, mais terrible. Je mets un soin, je sais pas. J'ai pas osé, là. J'ai pas tapé. J'ai pas voulu renvoyer. C'est vicieux, cette... un petit soin. Non, est-ce que je peux parer avec mon bouclier? Ouais, je préfère pas essayer. C'est pas le moment d'essayer quoi. J'arrive pas hein. La grosse boule, j'arrive pas vers le haut, j'y arrive pas en tout cas. Là, ça c'est moins rapide, ces boules là c'est pour ça que j'y arrive aussi. Sauf que cette phase là est plus rapide et j'ai déjà réussi. J'ai pris un rocher sur la tronche, pas de panique. ...375 on a vu. Eh, parce que l'œil est mort, du coup j'ai 375 d'XP, c'est ça que ça veut dire. Mais vaut mieux l'esquiver en fait. Ouais, dommage. Les mécaniques des boss sont vraiment bien. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas mal. J'ai eu peur. Ça a giclé un peu. Purifier la cave, ça c'est fait. Et 2-3 boss sur la même vidéo, c'est vrai. Ouais, vous avez réussi, parfait. Merci pour votre aide. Je vais vous expliquer la technique. Vas-y, explique-moi la technique. Hammer Smashed Face. Ah, le nom de la technique, quoi. Ça a l'air violent, déjà. Baba dans les airs. Une technique secrète. J'ai pas eu le temps de lire. Ouais, bah après, je suis pas allé à l'école longtemps non plus. Hein. Alors, elle est où, la technique secrète? Une technique secrète pour écraser vos ennemis. Attends. Ça me bouffe rien, on est d'accord, hein. Je peux faire ça ad vitam aeternam. Pas mal. Et on casse tout en plus. Je voulais essayer sur lui. Et sur lui, ça dit quoi? Maintenant, je vais tuer tous les ennemis comme ça. Ouais, mais forcément. Faudrait pas mourir là aussi. Ce serait malaisant. Je suis one shot là. C'était pas le cas. Là. On est où? Parce qu'on n'est pas juste en dessous de d'Arsof, tout à fait. On va aller gentiment se soigner là-bas. Je vais quand même utiliser un coup de poing. C'est le côté prudence quoi. Prudence et mère de sûreté. Ah, merci, merci Patate Epic pour ce petit tips. Ça, j'aime bien, ça. Ça, j'aime bien parce que c'est des infos qui ne sont pas un backseat et qui ne sont pas du spoil. Même si ça en ressemble, pas du tout. C'est juste une information de gameplay. Très intéressant. C'est-à-dire que soit j'appuie bas, ou soit j'appuie en bas sur le joystick de droite. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de faire joystick de droite parce qu'il fait tout de suite. Que faire bas en plein air, bon, pourquoi pas, mais... pas trop compliqué, mais plus simple pour l'info utile, exactement. Tu lui rajouteras plus simple. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On n'a pas de quête secondaire là, validée. C'en est où? Le mari possédé. Il est toujours possédé. On a rien fait hein, à Darsov. On peut pas accéder encore. Le squelette rouge. J'ai éliminé le squelette qui hante le comté de Darsov. Ouais, on l'a pas vu.
Mais on... Attendez, je l'ai pas vu le petit pote là. Non, c'est parce que je suis mort entre deux, je l'ai pas refait, c'est ça? Pourquoi elle se valide pas? Faut appeler le développeur, il y a un bug. Mais c'était lui. C'était pas le bon. Ok, ok. Autant pour moi. N'appelez pas les développeurs. Attendez. Dites-leur que c'est ma faute. Désolé, c'est ma faute. On a de la thune, on a de l'XP. On va s'acheter une petite potion gratuite ou deux. Hein. C'est toujours gratuite. Ouais. Maître Brasseur. Parfait. Y a pas d'autres quêtes là qui se débloquent? Joséphine. Oh, la tombe de mon père se trouve à l'est, vers les quais. Ah mais tout de suite, on peut aller valider ça tout de suite. Parce que moi c'est ça, c'est à cause d'elle hein, qu'on s'est fait bait et qu'on est allé au donjon 2 tout de suite. Parce qu'elle nous a dit à la tombe de mon père, alors on s'est dit cimetière, tombe, ben, c'est là-bas la quête. Mais pas du tout. Attendez, on va sauvegarder pour pas devoir revalider cette quête une troisième fois. Et on va aller défoncer le squelette rouge. Ok, j'ai peur. Mec, il panique, il y a une cutscene, il panique tout de suite, mais ce n'est que le soleil qui se lève. Tout va bien. Elle m'a dit à l'est tout de suite. Donc à l'est. Et là, il va falloir briser les... Ah mais non, mais c'est là, non? Parce qu'à l'est, il n'y a rien, là. C'est bien foutu de ma gueule, mémé. Attendez. Si, si, il y a un truc. Ah. C'était pas fait exprès, ça. Mais attendez. Il y a encore un autre moyen de le faire? Ah non, c'est juste que... Je me suis fait toucher par la mythe. C'est juste que j'ai fait une mauvaise manip. Pas mal, c'est pas mal. Je dois avouer que c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est là, ça tombe. Ah ouais, mais c'est déjà du beau squelette, moi, je m'attends... Mais qu'est quoi? Mais fumier! Après, il faut que je tape aussi, mais... D'accord, je vois le genre. Le copiste. Tu veux jouer? Moi aussi, je mets l'attaque. L'épée. Oh, oh, bien joué. Attends, un petit coup de soin. Paf, dans son crâne. Mets ton boubou, trop tard. Mais c'était pas con. C'était pas con. Faut pas looter sur lui, là. Retournez voir Joséphine, l'aubergiste de Darfum. C'est l'aubergine. C'est l'aubergiste. Pas l'aubergine, mais l'aubergiste. Et là, je peux toujours pas. Ouais, non, mais ça y est, encore un boss. Hein. Encore un boss pour YouTube, hein, ils vont pas comprendre. Hein. Là, le titre de la vidéo, je tue les boss. Facile à comprendre. Surtout que celle-là, elle fait 1h15, là. Déjà pas mal. Retourne au village. On va aller voir mémé.
Alors. Puisse-t-il enfin reposer en paix? Prenez ses pièces en guise de ma gratitude. Vous serez toujours le bienvenu dans mon auberge quand vous aurez besoin de repos. Ouais, mais on peut pas se reposer dans ton auberge. Il m'a foutu de moi, quoi. 100 pièces, 100 piécettes. Bon, ça se prend, hein. Bon, c'est pas mal, on va pouvoir le mari posséder. Il nous reste ça à faire. Ça fait pas mal de quêtes quand même, hein. Occupez-vous de l'homme possédé de Darsov. Bon, ça, il faut trouver son âme. Il faut trouver son âme où d'ailleurs? Au sommet de Kajanto, mais je ne puis y aller car il faut sauter haut. Ou autre chose, je ne sais pas. J'ai pas les capacités pour. À droite, on a vu que c'était fermé aussi, bah que je peux pas. Donc il faut que je redescende. Et il n'y a plus que le chemin à droite en fait, hein, en bas à droite là. Là. Le passage d'Arcos. C'est là, hein, il n'y a plus que ça à faire. Hein. Tous les autres accès, c'est pas bon. Ah, c'est bon, mais je sais pas ce qu'il faut. Bref. On va gentiment sauvegarder là. On va se dire au revoir. Hein. On va se dire au revoir, YouTube. Une belle vidéo. Là, on s'est vengé. On s'est vengé d'avoir pris une culottée au premier épisode. Deuxième épisode. On a mis une branlée à tout le monde. On a eu quelques suées. Je peux pas le nier. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Sur ce, je vous fais des gros bisous, YouTube. On se dit à bientôt pour un troisième épisode, évidemment. Allez, salut.